Bienvenue. Bienvenue dans le temps de l'espoir. Le titre qui nous concerne aujourd'hui est « L'amour ne faillit jamais ». Le verset avec lequel nous allons travailler se trouve dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Le verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Verset 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Verset 8. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Dans ces versets, l'apôtre Paul parle des caractères de l'amour. Il les personnifie et en retrace l'image. Et nous allons rentrer dans le contexte de 1 Corinthiens 13. Il commence par deux caractères positifs, la puissance et la bonté. Puis, il continue par 8 autres négatifs. Être envieux, se vanter, l'orgueil, être malhonnête, voir son intérêt, s'irriter, soupçonner l'injustice. Au moyen desquels il l'oppose à l'égoïsme humain. Et pour terminer, par 5 qualités. La vérité, pardonner, croire, espérer, supporter, qui n'appartiennent qu'à l'amour et qui achèvent le portrait. Avec Dieu, rien ne marche sans l'amour. Absolument rien. Dieu est amour. Et il ne peut pas avoir d'échec lorsque l'amour est présent. Lorsque vous vivez dans l'amour, vous ne pouvez pas faillir. Dieu est amour. Et il ne faillit jamais. Parlons du contexte maintenant qui pousse l'apôtre Paul à écrire cette épître aux Corinthiens. Les premiers membres de l'église qui vivaient à Corinth étaient aux prises avec de nombreux problèmes qui existent dans le monde actuel. Bien sûr, là nous étions en l'an 54-55 après Jésus-Christ, quand l'apôtre Paul a commencé à écrire ses épîtres. À l'heure actuelle, nous vivons la même chose, comme le manque d'unité. Nous le vivons actuellement. Comme les enseignements faux et l'immoralité. La première lettre aux Corinthiens nous apprend que l'apôtre Paul enseigne à ses saints comment favoriser l'unité, parce qu'on parle d'unité. Et on voit comment l'unité est très importante au sein de l'Église, qui est le corps de Christ. L'unité dans l'Église, comment apprendre les choses de Dieu, le rôle du corps physique, comme le temple du Saint-Esprit, le temple de l'Esprit-Saint. La nature des dons spirituels et l'importance de prendre la Sainte Cène dignement et la réalité de la résurrection. Il le dit dans 1 Corinthiens, c'est ce qu'il développe pour l'église de Corinthe. Et en étudiant les enseignements de l'apôtre Paul, pouvons apprendre les points de doctrine et les principes qui nous aideront à vivre dans la justice malgré la méchanceté que nous pouvons rencontrer, même de nos jours. Le premier verset de la première lettre aux Corinthiens nous montre qu'elle a été envoyée par l'apôtre Paul à un disciple du nom de Sosthène, qui fut probablement servi de script, celui qui devait écrire pour lui. Car inspiré du Saint-Esprit, l'apôtre Paul parlait et Sosthène certainement écrivait. Alors ça devait être son métier parce qu'il fallait écrire vite, assez vite d'ailleurs. Bien que les détails du rôle de Sosthène soient inconnus,
Il est évident, en tout cas, que l'apôtre Paul est l'auteur de l'épître aux Corinthiens. Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 16, 21-24. Il dit la chose suivante, verset 21. « Moi, Paul, je vous salue de ma propre main. » 22. « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit. » Maranatha. 23. « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » 24. « Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. » Mon ami, mon frère, ma sœur, il faut que la foi, il faut beaucoup de foi, il faut que la foi grandisse, il faut énormément de foi pour croire que le chemin de l'amour ne faillira jamais. Il faut de la foi. La pensée naturelle ne peut le comprendre parce que l'homme naturel a une autre manière de raisonner. Et le monde nous dirige vers l'égoïsme. Et l'amour, c'est tout autre chose. L'épître aux Corinthiens s'adresse aux membres de l'Église, pas à ceux qui sont à l'extérieur, aux membres de l'Église, du corps de Christ, dont Jésus-Christ est la tête. Nous parlons bien le corps de Christ qui rencontre les mêmes problèmes que l'Église de Corinthe, ici, dans notre contexte. La lettre aux Corinthiens s'adresse à ces gens-là aussi. Paul avait prêché à l'église de Corinthe pendant plusieurs années. Nous trouvons cela dans Actes 18, versets 1 et 18. Verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Chancré, car il avait fait un vœu et Paul y avait organisé une branche de l'église. C'est un apôtre et c'est un pasteur. Avant que Paul quitte un endroit où il a prêché, où il a eu des convertis, il organise toujours une branche de l'Église. Car c'est un apôtre et c'est un pasteur. Alors Paul avait organisé une branche de l'Église plus tard, lorsqu'il prêche à Éphèse, pendant son troisième voyage, il reçoit maintenant des messages des membres de l'Église de Corinthe. Alors maintenant, il écrit. Il écrit une réponse à l'Église, le corps de Christ. Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Pourquoi j'ai parlé de 1 Corinthiens 5, verset 9? C'est que malheureusement, le détail de cette épître a été perdu ou arraché. Je vous disais précédemment que certaines fois, vous verrez qu'il y a des choses qui peuvent manquer dans la Bible quand elle était reliée. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui gouverne, c'est celui qui a le pouvoir, qui décide. Et nous voyons que comme nous ne trouvons pas les détails précis de ces écrits qui parlent de ce sujet dans les Écritures, alors nous constatons que plus tard, Paul reçoit d'autres nouvelles des membres de l'Église de Corinthe. Parlant de problèmes qui s'y posent, nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 1, 11. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités. Les rivalités existent toujours, de nos jours, entre vous. Il y répond, Paul répond, en écrivant une autre lettre. Voyez, comme de nos jours, sous le nom de 1 Corinthien. Ainsi, 1 Corinthien, en fait, d'après les études, nous constatons que 1 Corinthien, en fait, est la deuxième lettre.
de Paul aux membres de l'église de Corinthe, puisqu'il y avait déjà écrit une lettre disant de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Cherchez, vous verrez que cette lettre, nous ne l'avons pas. Car quand Paul se permet d'écrire un conseil à une église, il s'étale, il détaille. Et vous allez voir peut-être une phrase parlant de « je vous ai écrit » de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Et après, il explique avec l'impression que les autres n'avaient pas bien compris sa lettre, mais pas dans, comment dire, de manière totale. Car si il fallait ne plus fréquenter personne, nous n'allons pas vivre dans ce monde. Voyez ? Et vous ne trouvez pas le détail précédent. Donc c'est là que nous comprenons que nous devons faire appel à l'Esprit Saint en nous. Et que l'unité de l'Église, l'amour de Dieu, est très important. À l'époque de Paul, Corinthe est la capitale de la province romaine d'Achaïe, qui englobe presque toute la Grèce ancienne, au sud de la Macédoine. C'est un pôle commercial prospère, comme une grande ville. Nous en voyons beaucoup de nos jours. Toutes les grandes villes ont un port. Toutes les grandes villes sont à proximité d'un port, ou pas trop loin. Et de nos jours, avec les routes bien organisées, les grandes villes ne sont pas forcément à côté du port. Mais c'est très utile. Et nous voyons que Corinthe, et maintenant de nos jours, nous sommes dans la même situation. Et toute la Grèce ancienne, et c'est un pôle commercial, vous voyez, prospère. C'est un pôle commercial prospère. Corinthe attire des personnes venant de tout l'empire de Rome. Et ce qui fait d'elle une ville de la région où il y a diversité de cultures, diversité de cultes. Le culte des idoles dominait la culture religieuse corinthienne. Il y avait de nombreux temples, pas d'église. L'église, c'est le corps de Christ. Le temple, c'est le bâtiment. Il y avait énormément de temples et sanctuaires. Pas d'église, sanctuaire, c'est le bâtiment. Dans toutes les villes, et au moment du ministère de Paul, les Corinthiens avaient la réputation d'être profondément immoraux, idolâtres. Je vais vous donner un exemple. Faisons des recherches. Par exemple, on rapporte que la prostitution rituelle, vous comprenez, c'est un rituel, c'est une habitude. La prostitution rituelle se pratiquait dans le temple d'Aphrodite. Cela faisait partie de leur croyance. Comprenez un petit peu le contexte. Et vous voyez que de nos jours, les choses n'ont pas tellement changé. Le nom a changé, mais les pratiques n'ont pas changé. Dans cette épître, Paul dit clairement que les membres de l'Église manquent quoi ? D'unité et d'amour. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour à Corinthe, de nos jours. Et que certainement, croyances et pratiques impies ont commencé à altérer leur respect des principes et des ordonnances de l'Évangile. Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 6, 1 à 8, où Paul parle de litiges entre frères et sœurs qu'ils n'arrivent pas à régler entre eux et qu'ils demandent aux chrétiens, aux non-chrétiens, de régler pour eux. Lisons 1 Corinthiens 6, 1 à 8. Verset 1. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints ? 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si ce n'est pas vous, et si c'est par vous, pardon, que le monde doit être jugé,
Êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, verset 4, si vous avez des litiges concernant les affaires de ce monde. D'accord? Les affaires dont l'Église ne fait aucun cas. 5. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. 6. Au contraire, un frère est en procès avec un autre frère. C'était grave, et de nos jours c'est naturel. Et cela devant les incroyants. Verset 7. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez pas, vous ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Verset 8. Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers les frères et sœurs que vous agissez ainsi. 1 Corinthiens 6, versets 1 à 8. Alors, si dans 1 Corinthiens 10, 20, 22, il nous parle d'autre chose, toujours en train de régler des problèmes qu'il y avait à Corinth et que nous trouvons de nos jours, manque d'unité, manque d'amour. Lisons le Corinthiens 10, 20, 22. Paul parle des viandes sacrifiées aux idoles et exhorte les Corinthiens à ne pas être en communion avec les démons. Lisons le Corinthiens 10, 20, 22. Verset 20. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils les sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 21. Vous ne pouvez pas boire de la coupe du Seigneur et de la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. 22. Ou bien voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? La question est posée. Sommes-nous plus forts que Dieu? Et Paul parle du non-respect de la Sainte Cène en 1 Corinthiens 11, 18, 22. Lisons, verset 18. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble dans le temple, puisque vous êtes l'Église, le corps de Christ, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Verset 19. Il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu. Donc les divisions ne peuvent pas être évitées. Ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Verset 20. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur. 21. Car dès que vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, et tandis que l'autre est ivre. 22. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu? Voyez, le corps de Christ. Et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Ceux qui n'ont rien et qui sont parmi vous? Que vous dire? Il pose la question. Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Là, nous voyons que l'apôtre Paul est en colère. Et même dans ses écrits, il n'est pas physiquement présent, mais dans ses écrits, on sent sa colère. Il est furieux de voir le comportement des Corinthiens. Et nous voyons la parallèle dans leur contexte. Et de nos jours, c'est la même chose. L'apôtre Paul écrit aux membres de l'église de Corinthe.
afin de répondre, à leurs questions et à leurs problèmes. Car il y avait des gens qui étaient quand même sincères et qui prenaient le temps de lui envoyer des lettres pour lui dire « ça ne va pas, il y a un problème, tel frère ou telle sœur agit ainsi, le dirigeant agit comme ça, que devons-nous faire ?» Et l'apôtre Paul répond à leurs questions et à leurs problèmes. Et pour fortifier les convertis et qui sont fondés et qui sont tentés, ceux qui sont fondés sur la parole de Dieu, mais à cause des agissements des autres, qui sont tentés de revenir à leurs anciennes croyances et pratiques. Rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment. Les Corinthes étaient connus pour être profondément immoraux à cause de ce carrefour de croyances qui était autour d'eux. Nous constatons que le contexte dans lequel vivait l'église de Corinthe ressemble étroitement à notre contexte aujourd'hui. Mon ami, mon frère, ma sœur, comprenons que l'amour ne faillit jamais. L'amour ne faillit jamais. Car lorsque vous vous exercez à aimer par la foi, non par votre force, vous ne pourrez pas y arriver. L'amour est quelque chose qu'on reçoit. Et il faut vous exercer par la foi. Il faut avoir la foi. Et que vous refusez de chercher votre propre intérêt. Ce qui se passe, c'est que vous mettez Dieu, le Père, en action en votre faveur. Oui, ce qui se passe exactement dans le monde spirituel, il faut retenir qu'aussi longtemps que vous restez dans l'amour, Dieu le Père cherche votre intérêt. Il cherche votre succès. Marcher dans l'amour est votre plus grand avantage. Si cela était facile, mon frère, ma sœur, mon ami, tout le monde le ferait. Et nous aurons vu que notre vie aurait été parfaite. Mais ce n'est pas le cas. Vous le constatez. De quel amour parle-t-on ? On parle de quel amour ? L'amour agapé. L'amour agapé est le terme utilisé par les chrétiens pour décrire l'amour de Dieu envers les hommes. Le terme grec agapé est souvent utilisé et traduit par amour dans le Nouveau Testament. Et en quoi cet amour agapé est-il différent des autres amours? C'est ça la question. Alors, les autres formes d'amour, l'essence de l'amour agapé est la bienveillance et un profond attachement à l'être aimé. Agapé n'est pas employé dans le Nouveau Testament pour l'amour romantique ou sexuel, pas du tout. Pour romantique et sexuel, c'est le terme grec eros qui est utilisé. Et l'amour agapé n'est pas non plus utilisé pour l'amitié proche ou l'affection fraternelle, pas du tout. Pour l'amitié proche et l'affection fraternelle, c'est le terme grec philéa qui est utilisé. L'amour agapé implique la fidélité, l'engagement, de la volonté. Il se distingue des autres formes d'amour par sa nature morale. Vous voyez, sa nature morale et sa force de caractère. 1 Corinthiens 13 donne une magnifique description de l'amour agapé. L'amour agapé est une puissance. Il vous permet de maîtriser toute situation. Aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer. Aucune n'aura même le pouvoir de vous heurter ou de heurter vos sentiments parce que vous n'êtes pas contrôlé par vos sentiments, mais par l'amour de Dieu, l'amour agapé. Vous aimez comme Dieu aime. Comprenez bien la différence. Pour comprendre comment Dieu désire voir votre amour, nous allons lire Romains 12, verset 9
à 21. Verset 9 nous dit la chose suivante. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et rivalisez d'estime réciproque. Rivalisez d'estime réciproque. 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. 13. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Voyez, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Même dans nos églises à côté de nous, nous avons des gens qui sont dans le besoin. Nous avons des frères et des sœurs, des gens qui sont assis à côté de nous, qui louent le Seigneur en même temps que nous et qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Et l'amour vous demande d'aider ces gens. L'amour pour l'autre, ça commence déjà là. Vous allez dans un même lieu, dans ce temple, parce que vous êtes l'Église de Christ. Vous allez dans ce temple prier, louer, adorer, glorifier Dieu. Votre frère, votre sœur est à côté de vous. Elle ne pourra même pas manger ce midi. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle mangera ce soir. C'est Dieu. Demandez-le au, à l'Esprit Saint de vous dire ces choses afin que vous puissiez voir quand l'autre est dans le manque, quand l'autre a besoin. C'est très important. L'amour agapé. 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Verset 16. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. 18. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Quand vous entendez des gens qui ont une certaine connaissance des choses de Dieu, des choses spirituelles, des gens bien placés dans le corps de Christ, dans l'Église, dire que Dieu a échoué avec Adam, ne les écoutez pas, car Dieu ne faillit jamais, comme l'amour ne faillit jamais. Donc, Dieu ne peut pas avoir échoué avec Adam, c'est impossible, car si vous lisez bien l'Ancien Testament et toute la Genèse, vous voyez que Adam avait le choix et Adam a choisi. Alors, j'avais l'habitude en tant que chrétien de me demander pourquoi la puissance de Dieu n'agit pas davantage. Pourquoi au milieu de l'Église, au milieu de nous, et que ce que nous voyons est limité. C'est limité. Nous voyons que la puissance de Dieu agit dans
l'entente entre mari et femme, certaines fois. La puissance de Dieu agit dans les familles, certaines fois. La puissance de Dieu agit dans l'Église, mais nous ne voyons pas de nos jours les miracles que nous avons lus dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Nous ne les voyons plus. Si vous en connaissez, filmez-les, enregistrez-les et envoyez-les-moi. Mais nous ne les voyons pas. À l'ère du téléphone portable, à l'ère des caméras, dès qu'il y a quelque chose qui... À l'ère du direct, où sont ces miracles? Je me pose souvent la question. Alors, avec ce que nous savons de la foi et de la parole de Dieu, il me semblait que les signes et les miracles devraient se produire tout le temps. Tout le temps. Aussi, un jour, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, pourquoi la puissance de Dieu n'est-elle pas montée à un volume plus élevé dans le corps de Christ, dans l'Église? Pourquoi? Et Dieu répond toujours. Dieu répond toujours. Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, Pascal, Pascal, vous ne marchez pas encore suffisamment dans l'unité et dans l'amour. Je suis inclus. Pascal, vous ne marchez pas suffisamment dans l'unité et dans l'amour. Pourquoi veux-tu voir des miracles et des prodiges? Alors, Dieu veut que nous ayons sa puissance. Ça, c'est un fait. Dieu veut que nous ayons sa puissance. Mais, en tout premier, il veut être sûr que nous allons utiliser cette puissance dans l'amour. Comprenez bien, il veut être sûr que nous n'allons pas prendre cette puissance et la mélanger avec le jugement, les critiques et assommer les gens avec sa puissance. Comprenez bien, mon ami, mon frère, ma sœur, Dieu parle et me dit la chose suivante. Pascal. Et il me donne deux exemples. Suivez-moi. Premier exemple. Je ne peux pas me permettre de donner et de soutenir des paroles d'un prédicateur, de quelqu'un qui parle de moi avec une puissance surnaturelle durant une prédication du dimanche ou autre jour, et puis laisser cette même personne partir le même jour sur les routes du pays où il a prêché et insulté et crié après quelqu'un qui lui a coupé la route en changeant de fil juste devant lui. Je ne peux pas laisser la force de Dieu, la puissance de Dieu agir dans cet homme-là à travers la bouche d'un insensé sans miséricorde. Non, Pascal, je ne peux pas. Le deuxième exemple que Dieu m'a donné. Dieu parle, mes amis, mon frère, ma sœur, Dieu parle. Deuxième exemple, un père qui apprend à son fils à chasser. C'était un tout jeune garçon, à peine assez fort pour ne pas être renversé en arrière par son fusil chaque fois qu'il appuierait sur la détente. Il a suffisamment de force pour tenir sur la gâchette quand il y a la secousse. Il lui apprend à tirer. Et il le faisait de mieux en mieux, ce jeune homme, ce garçon. Et un jour, ce jour-là, ils marchaient ensemble dehors avec son père. Et il aperçoit une grosse tarentule, mais énorme tarentule. Une tarentule que même son père n'avait jamais vue. Qui grimpait le long du mur de la grange, de la ferme familiale. Lorsque le jeune garçon la vie. Il épaula son fusil. Il allait se débarrasser de la tarentule. Il a l'arme. Il a la puissance. Il allait se débarrasser de la tarentule. Si le père ne l'avait pas arrêté, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il ne lui serait jamais venu à l'esprit, à ce jeune homme, jusqu'à ce que cela soit fait, qu'il allait du même coup détruire la grange, faire un trou
dans la ferme, dans le mur de la ferme qui est en bois, détruire la charpente, faire un trou béant dans la grange. De la perception d'adulte, le père voyait que ça aurait été une folie d'agir ainsi. Mais lui, le jeune garçon, n'était pas capable de le voir ainsi. Il voyait les choses à travers ses yeux d'enfant, à travers ses yeux de fils et de fille. Voilà le deuxième exemple. Mon ami, mon frère, ma sœur, voulez-vous que Dieu place entre vos mains une arme spirituelle puissante afin que vous puissiez détruire les œuvres du diable pour que son royaume vienne? Je suis sûr que vous le voulez. Nous le voulons tous. Alors, concentrez-vous, concentrons-nous sur l'amour pour les autres. Concentrons-nous sur l'unité de l'Église. Poursuivez cette attitude. Mettez-la en pratique. Étudiez-la, grandissez-la en vous. Permettez qu'elle puisse prendre plus de place. Puis, vous verrez. Vous verrez la puissance de Dieu agir à travers vous. Pas seulement dans l'unité de votre famille. Papa, maman, enfant, c'est beau, c'est bien. J'apprécie. Je dis merci Seigneur, mais ce n'est pas ce que Dieu veut seulement pour toi, pour moi, mon frère, ma sœur. Il veut que cela se voit aussi au-delà de ta famille, dans l'Église, dans le monde. L'amour de Dieu, la puissance de Dieu doit agir. Cet amour est révolutionnaire. Mon ami, mon frère, ma sœur, et si nous comprenions véritablement les avantages que nous avons en vivant dans l'amour de Dieu, l'amour agapé, dans l'unité de Dieu, nous serions en compétition les uns avec les autres pour être celui, celle qui aime plus, davantage l'autre. Et oui, et sans nul doute, ça je suis certain, chacun émergerait de cette compétition en vainqueur. Il n'y aurait eu que des gagnants. Que des gagnants, ça j'en suis persuadé. Car véritablement, l'amour est le seul secret. L'unité et l'amour est le seul secret qui nous conduit au succès. Comprenez-le, que ce soit dans le corps de Christ, l'Église, que ce soit dans la vie de tous les jours, ça, c'est le plus important. Comprenez-le, je suis sûr que vous l'avez compris. L'amour ne faillit jamais. Et Dieu en toi, Dieu avec toi, ne faillit jamais. Il est écrit, ça c'est pour terminer, dans 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, c'est trois choses demeurent. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Que vous soyez fortifiés et bénis. Et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir. Merci.